Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série sur les femmes pionnières. Je vous emmène découvrir le parcours de ces cinq femmes qui ont surmonté les obstacles de leur temps pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions. C'est parti! Madeleine Bresse, née Guéblin, née le 26 novembre 1842 à Bouillargues, dans le Gard. Elle est issue d'un milieu modeste. Son père est charron, un artisan travaillant le bois et le métal. Elle suit des études basiques et accompagne son père quand il travaille à l'hôpital de Nîmes. C'est sûrement à cette époque que naît sa vocation pour la médecine. Une infirmière religieuse la prend sous son aile et lui apprend à faire quelques soins ainsi qu'à suivre la visite des médecins. Quand elle a 12 ans, la famille part s'installer à Paris. Et le 12 avril 1858, elle est mariée à Adrien Stéphane Bresse, un conducteur d'omnibus. Elle a tout juste 15 ans. Ils auront 3 enfants, mais celui-ci la quitte alors qu'elle n'a que 22 ans. Elle se décide alors à suivre des études de médecine. Mais bien qu'il n'existe aucune loi interdisant aux femmes de suivre des études, ou même de passer un diplôme, cela ne fait pas vraiment partie des mœurs de l'époque. Les filles recevaient une éducation basique, ce qui devait être suffisant puisque le seul but des femmes était de devenir de bonnes épouses et mères de famille. Madeleine se présente devant le doyen de la faculté de médecine de Paris, Adolphe Rautz, et pensant la dissuader, il lui demande d'abord de passer deux baccalauréats avant d'être accessible à l'inscription de sa faculté. Mais c'est sous-estimer la ténacité de la jeune femme. Depuis 1861, grâce à Julie-Victoire Daubier, l'examen est plus accessible aux femmes. La seule difficulté pour elle est de s'instruire, puisque les lycées mixtes n'existent pas, plus que les lycées réservés aux filles, c'est donc seule qu'elle doit se préparer à l'examen. Grâce au soutien de la baronne de Rothschild, qui lui ouvre une bourse, elle devient bachelière en lettres et en sciences en 1869, à 28 ans. Elle retourne donc voir Adolphe Rautz, ses deux bacs en boche. Le doyen, surpris et décontenancé, s'en remet au ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy. Celui-ci, bien que favorable à l'ouverture de la profession aux femmes pour une question de pudeur, est indécis et soumet la question à un conseil de ministres présidé ce jour-là par l'impératrice Eugénie. Féministe avant l'heure, elle soutient avec ardeur le vœu de Madeleine d'entrer en médecine. Elle dira « J'espère que ces jeunes femmes trouveront des imitatrices maintenant que la voie est ouverte ». Madeleine devient donc stagiaire, malgré le nouveau doyen Alfred Vulpian, anti-féministe, bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. Lors du siège de 1870 et pendant la Commune, elle remplace un interne à l'hôpital de la Pitié. Les étudiants en médecine hommes étant partis rejoindre les rangs de l'armée. Elle sera saluée pour son travail impeccable et son sang-froid sans pareil. Mais on lui refuse toujours de se présenter à l'externat. Le directeur de l'administration de l'assistance publique se justifie en lui expliquant que ce n'est pas personnellement contre elle, mais parce que cela créerait un précédent incitant d'autres femmes à suivre son exemple. En 1875, à 33 ans, elle est la première femme à soutenir sa thèse de doctorat, de la mamelle et l'allaitement. Le contenu est jugé original, mais du point de vue scientifique et médical, tout à fait valable. Le directeur du jury et doyen Adolphe Rautz, à l'issue de sa thèse, lui dira « Votre thèse restera dans nos archives comme ouvrage scientifique. » Et permettez-moi de vous féliciter de la délicatesse que vous avez apportée dans le choix de votre sujet. Votre rôle devra se borner à la guérison des maladies des femmes et des enfants, et je vous félicite de l'avoir si bien compris. Pour être plus clair, on lui demande en contrepartie de l'obtention de son diplôme en médecine de se cantonner à une médecine dite féminine. S'étant déjà assez battue pour en arriver jusque-là, Madeleine décide de se plier aux exigences du doyen, devenant donc la première femme médecin. De plus, la pédiatrie et l'hygiène sont des domaines qui la passionnent. Elle ouvre donc son propre cabinet de pédiatrie à Paris en 1877 et écrit un second ouvrage, L'allaitement artificiel et le biberon. Elle est même consultée pour apprendre aux institutrices d'école maternelle ainsi qu'aux directrices d'école maternelle les principes de base d'hygiène que l'on peut appliquer aux enfants en bas âge. En 1885, sur ses propres fonds, elle ouvre une crèche dans le quartier ouvrier des Batignolles où les enfants sont gardés gratuitement. Elle sera d'ailleurs plusieurs fois récompensée pour son travail dans le domaine de la puériculture. Elle dirige également le journal Hygiène de la femme et de l'enfant et elle exercera son métier de médecin auprès des femmes et des enfants pendant près de 50 ans. Mais sur la fin de sa vie, devenue presque aveugle, elle vit avec très peu de moyens et demande de l'aide à l'assistance publique, qui ne lui accordera qu'un lit au milieu d'un dortoir qu'elle refusera. C'est grâce à une association caritative qu'elle ne finira pas dans la misère la plus totale.
Elle meurt le 3 novembre 1921 à Montrouge à l'âge de 79 ans. Elle aura ouvert la voie à tant de femmes en écartant tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin pour l'empêcher de devenir médecin, lui offrant une place de pionnière dans l'histoire. Marie-Félicie Elisabeth Marvin naît à Aurillac dans le Cantal le 20 février 1875. Ses parents auront trois fils avant elle qui ne survivront pas et son plus jeune frère sera de santé fragile. C'est donc tout naturellement à Marie que son père va transmettre sa passion du sport. Elle commence par la natation très tôt, alors même qu'elle marche à quatre pattes, elle est capable de nager plusieurs kilomètres dans la rivière Jordan. Il l'initiera à tout un tas de disciplines sportives telles que l'équitation, le cyclisme, le tir, le ski, le canoë, l'alpinisme ou même le patinage. En 1880, la famille déménage à Metz, où le père de Marie, fonctionnaire des postes, est muté. À cette époque, la région Lorraine est allemande. Elle suit des études chrétiennes et parle français à la maison et allemand à l'école. Suite à une sortie scolaire au cirque, elle supplie son père pour prendre des leçons. Elle suit une formation de cavalière, jongleuse, trapéziste, funambule dans le cirque de Rancy, qui lui permettra de s'accomplir en tant que gymnaste. En 1889, sa mère meurt alors qu'elle n'a que 14 ans et la famille décide de s'installer à Nancy. Marie s'intéresse à la bicyclette avec son père comme entraîneur et réalise son premier exploit, la traversée de Nancy à Coblence en canoë par la Meurthe et la Moselle. En 1897, c'est la mort de son frère Eugène d'une crise cardiaque qui touche la famille. Marie compensera ses deuils en s'impliquant d'autant plus dans le sport, multipliant les entraînements en vue des compétitions. Marie n'a pas besoin de plus de 5 heures de sommeil par jour. Très organisée, elle prévoit ses journées à l'avance pour optimiser son temps. Pendant son temps libre, elle se consacre à rédiger des poèmes qui seront publiés sous le pseudo de Myriel. Elle refuse obstinément de se marier et même d'avoir des enfants. En 1899, elle sera l'une des premières femmes à passer le permis de conduire. Élève brillante, elle obtient une licence de lettres et s'inscrit dans plusieurs facultés, étudiant la médecine et le droit. Elle parlera jusqu'à 5 langues différentes et réussit l'examen d'infirmière de la Croix-Rouge. En 1904, elle participe à sa première course cycliste, de Nancy à Bordeaux, puis l'année suivante, le Nancy-Milan, et en 1906, le Nancy-Toulouse. Elle invente la jupe-culotte pour lui permettre de pédaler plus librement, puisqu'elle n'est pas autorisée à porter un pantalon. Et en 1908, elle suivra le même parcours que les coureurs du Tour de France, en décalé, allant jusqu'au bout devant le refus des organisateurs d'accepter sa candidature. En natation, elle est la première femme française à réaliser les 12 km de nage de la traversée de Paris. En juillet 1906, elle finit 15e au classement général et 3e chez les femmes. En septembre 1907, elle remporte la traversée de Toulouse en moins d'une heure et demie. Grâce à la passion de son père pour l'alpinisme, Marie va briller dans ce domaine. En juillet 1905, elle réalise la première traversée Charmoz-Grépon dans le massif du Mont-Blanc en 18 heures. Cet exploit, et en particulier l'escalade difficile de l'écuille du Grépon, lui vaut d'être considérée comme une des pionnières de l'alpinisme par le magazine Femina en 1911. Elle fera également l'ascension de la Dent du Géant, la Dent du Requin, le Mont Rose, la Jungfrau, les Aiguilles Rouges, le Wetterhorn et l'Aiguille du Moine. En 1907, elle obtient le prix d'honneur du tir au fusil de guerre organisé par le ministère de la Guerre. Entre 1908 et 1910, c'est pas moins de 20 médailles d'or qu'elle remporte à Chamonix, en ski, en patinage artistique et de vitesse, en concours de saut ou en épreuve de slalom. Le 26 janvier 1910, elle remporte la première compétition féminine de bobsleigh. Son talent pluridisciplinaire dans le sport la rend célèbre. Et elle est même surnommée la première sportswoman du monde. On lui décerne la grande médaille d'or de l'Académie des sports en 1910 et en 1913, on commence à l'appeler la fiancée du danger. L'aviation la fascine et elle vole accompagner la première fois en ballon libre en 1901 et obtient son brevet de ballon libre la même année. Elle volera seule à partir de juillet 1907. Elle voue une passion tellement dévorante à l'aviation en pleine expansion qu'elle en abandonne toutes les autres disciplines sportives sauf les sports d'hiver. Et en 1909, elle est la première femme à piloter un ballon seul, l'étoile filante, au-dessus de la mer du Nord et de la Manche.
Bien que cela ne soit pas prévu, elle se laisse emporter par le vent et décide de continuer le voyage. Elle s'embarque pour une aventure de 720 km qui durera 14 heures. La neige qui tombe alourdit le ballon. La température est glaciale. Le ballon rase l'eau à de nombreuses reprises, faisant craindre un naufrage et un atterrissage périlleux qui se fait en pleine nuit. Malgré les dangers encourus, Marie dira avoir gardé un bon souvenir de cette journée. La même année, elle effectue ses premiers essais au sol dans un avion, devenant l'élève d'Hubert Latam, un pionnier de l'aviation. Et le 4 septembre, elle vole la première fois à bord du monoplan Antoinette. C'est à bord de cet avion qu'elle obtiendra son brevet de pilotage en 1910, troisième femme en France à l'obtenir. À la fin de l'année 1910, elle établit le premier record féminin de durée de vol de pas loin d'une heure. Lors de l'année 1912, elle cumulera un peu plus de 700 vols sans accident à elle seule. En 1913, lors d'un atterrissage difficile causé par le mauvais temps, elle est sérieusement blessée au visage. Elle en gardera quelques cicatrices et après un mois de rétablissement, elle repartira pour 900 vols avant la fin de sa carrière dans l'aviation sportive due à la Première Guerre mondiale. Elle conçoit avec l'aide d'un ingénieur un prototype d'avion ambulance pour la Croix-Rouge, mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivera pas à faire aboutir le projet avant la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, elle veut s'engager dans l'armée, mais on le lui refuse. Elle remplacera un pilote blessé pour deux bombardements aériens. Grâce à son diplôme d'infirmière, elle devient infirmière-major et assiste un célèbre chirurgien à Nancy. Après 2 ans de bons et loyaux services, son envie d'aller au front se fait plus forte. Elle se déguise en homme et intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied sous le nom de Beaulieu. Après 47 jours en première ligne, elle est démasquée. Elle doit quitter le front, mais le maréchal Foch lui permet d'intégrer le 3e bataillon des chasseurs alpins en tant qu'infirmière et correspondante de guerre sur le front italien. Elle évacue les blessés à ski. Après la guerre, elle part en Afrique et se consacre entièrement à la propagande de l'aviation sanitaire qui lui valent de recevoir la médaille de la paix du Maroc et est nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle explore les paysages africains, réalise plusieurs documentaires et s'adonne à la photographie. Elle invente des skis métalliques qui lui permettent de skier sur le sable et qui serviront plus tard à améliorer les avions qui atterrissent sur la neige. Elle écrit également de nombreux articles pour des quotidiens français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie travaille en tant qu'infirmière de l'air. Elle invente même un type de suture chirurgicale qui permet de recoudre les blessés plus rapidement. Elle fonde un centre de convalescence pour aviateurs blessés qu'elle nomme le Repos des Ailes. Sur la fin de sa vie, elle n'a pas le droit à une pension de retraite et vit de son métier d'infirmière et des conférences qu'elle donne mais qui se font de plus en plus rares. Mais elle continue à être reconnue pour son œuvre. Elle est nommée officier de la Légion d'honneur et reçoit un prix de la Fédération nationale d'aéronautique pour son engagement dans l'aviation sanitaire et la médaille du service de santé de l'air. Malgré son âge avancé, elle ne recule devant aucun défi. Pour ses 80 ans, en 1955, l'armée américaine lui offre un vol à bord d'un chasseur supersonique. À 84 ans, elle passe son brevet d'hélicoptère et pilote l'année suivante le premier hélicoptère à réaction du monde, le Jean. En 1961, elle effectue le Nancy-Paris, pédalant en moyenne 10 heures par jour. Marie meurt le 14 décembre 1963, dans un hospice à Laxou, en Meurthe-et-Moselle, dans un relatif anonymat. L'histoire ayant passé à la postérité l'époque de l'innovation de l'aviation et des femmes comme elle qui ont participé. Elle a innové dans tant de domaines et prouvé qu'une femme pouvait être aussi sportive qu'un homme, qu'il est bien dommage que son nom se soit perdu dans l'histoire. Marie-Angélique Duchemin naît le 20 janvier 1772 à Dinard en Bretagne. Elle est issue d'une famille de militaires. Son père et son frère sont engagés dans les rangs de l'armée de la Révolution au sein du 42e régiment d'infanterie de ligne. À 17 ans, elle épouse le caporal André Brulon et en tant qu'épouse de militaire, elle suit l'armée en campagne. Son mari meurt en 1791 et son père l'année suivante. À tout juste 20 ans, élevée dans les valeurs militaires et son patriotisme prenant le dessus, elle décide de s'engager dans l'armée où elle sera acceptée et respectée en grande partie grâce à son lien familial militaire. Elle est promue rapidement caporal fourrier, chargée de l'intendance et des écuries, puis sergent-major grâce à son autorité et son courage au combat, notamment au siège de Calvi en défendant le fort de Guescot durant la Révolution française au cours de l'été 1794, dont voici un témoignage. Lou Soussigné, caporal et soldat du détachement du 42e régiment en cargaison à Calvi, certifions et attestons que le 5 prairial en 2, la citoyenne Marie-Angélique Joseph Duchemin, veuve Brulon,
caporal Fourier, faisant fonction de sergent, nous commandait à l'affaire du fort de Guesco. Qu'elle s'est battue avec nous avec le courage d'une héroïne, que les rebelles corses et les Anglais ayant chargé d'assaut, nous fûmes obligés de nous battre à l'arme blanche. Qu'elle a reçu un coup de sabre au bras droit et un moment après un coup de stylet au bras gauche. Que nous voyant manquer de munitions, à minuit, elle partit, quoique blessée, pour Calvi. À une demi-lieue, où par le zèle et le courage d'une vraie républicaine, elle fit lever et charger de munitions environ 60 femmes qu'elle nous amena elle-même escortée de 4 hommes, ce qui nous mit à même de repousser l'ennemi et de conserver le fort, et qu'enfin nous avons qu'à nous louer de son commandement. Elle est sérieusement blessée lors de ce siège en novembre 1797 à 25 ans. Ses blessures mal soignées la faisant horriblement souffrir, elle est contrainte de demander une prise en charge à l'hôtel des Invalides où elle sera acceptée 7 ans plus tard. Elle est la première femme à y être admise avec le grade de sous-lieutenant. Les Invalides, créés par Louis XIV, ont pour seul but à cette époque d'accueillir pour de plus ou moins longues périodes les soldats blessés ou invalides de l'armée française et leur permettre de vivre leurs vieux jours à l'abri en raison de leur fait d'armes. Elle consacrera le reste de sa vie à l'entretien et à l'intendance de l'hôtel des Invalides. Tous ces faits d'armes l'ont rendue célèbre et elle reçoit la visite de nombreuses personnalités politiques ou militaires. Mais elle refuse catégoriquement de rencontrer Napoléon, qu'elle considère responsable de la mort de son mari. Le 29 juillet 1804, le maréchal Serrurier appuie la demande de la Légion d'honneur pour la veuve Brulon. Mais c'est sous la Restauration qu'elle reçoit officiellement l'épaulette d'officier. Ce n'est que le 15 août 1851, alors âgée de 79 ans, que Marie-Angélique reçoit la croix de la Légion d'honneur avec le titre de chevalier des mains de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la Seconde République. Elle représente le symbole d'une femme ayant combattu lors des guerres de la Révolution. Marie-Angélique meurt le 13 juillet 1859 et les journaux n'oublieront pas de rendre hommage à son parcours exceptionnel. Elle est la première femme à recevoir la Légion d'honneur et il faudra attendre plus d'un siècle pour que les résistantes de la Seconde Guerre mondiale, Vera Obolensky et Geneviève de Gaulle Antonioz, la rejoignent au panthéon des femmes combattantes. Marguerite Durand naît le 24 janvier 1864 à Paris. Elle est la fille naturelle reconnue d'une bourgeoise catholique aisée et d'un sculpteur, chose assez rare à l'époque où un enfant hors mariage était très mal vu. À 15 ans, elle rentre au conservatoire et l'année suivante, elle obtient le premier prix de comédie. En 1881, à 17 ans, elle entre à la Comédie française et le succès est immédiat. Elle se fait assez vite une réputation en se spécialisant dans les rôles d'ingénue et de jeune première. Elle vit dans un petit hôtel privé près du parc de Monceau, à Paris, où elle élève une lionne qu'elle a baptisée Tigre. Comme toute jeune femme de son époque qui sait que son destin se résumera à devenir une bonne épouse, elle abandonne la comédie pour épouser Georges Laguerre à 24 ans. Son mari est un avocat républicain de la gauche radicale. Il n'hésite pas à défendre ouvriers, émeutiers et anarchistes, tels que Louise Michel, l'enseignante communarde, féministe et révolutionnaire, qui fit connaître le mouvement libertaire en France. Aux côtés de son mari, Marguerite découvre la politique et surtout le journalisme, passion qui ne la quittera plus. Elle publie ses premiers articles dans le journal qu'il dirige, La Presse. Ils fréquentent tous les deux les milieux intellectuels et politiques parisiens. Le tout Paris se presse chez Marguerite qui tient salon. L'hôtesse des lieux séduit autant par sa beauté que par son intelligence. Le combat féministe ne la préoccupe pas encore. Elle dira « Aux hommes le forum, aux femmes le foyer. Ainsi pensait la majorité. J'étais alors de la majorité. » En 1891, elle a 30 ans et met fin à son mariage qui ne fonctionne plus. Belle et libre, elle profite de ses atouts et se met en couple avec Antonin Périvier, dirigeant et rédacteur en chef du Figaro. C'est alors qu'elle a l'idée de créer la rubrique courrier au sein du journal. Dans cette rubrique, elle répond aux questions des lecteurs, des plus futiles aux plus sérieuses. En 1896, le Figaro l'envoie couvrir le congrès féministe international. Elle doit écrire un article moqueur et ironique sur ces femmes et leurs revendications jugées complètement ridicules. En effet, à cette époque, les femmes qui réclamaient l'égalité des sexes, ou simplement plus d'autonomie, étaient méprisées. Il ne faut pas oublier que les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari, ni de disposer de leur salaire à leur guise. En gros, elles sont considérées comme des mineurs à charge de leur mari et qui ne sont pas plus capables de savoir ce qui est bon pour elles qu'un enfant. Marguerite dira «
Là-bas, j'ai été frappé par la logique du discours, le bien fondé des revendications et la maîtrise de la présidence, Maria Pognon. Je refuse d'écrire l'article de critique pour Le Figaro, mais l'idée me vient d'offrir aux femmes une arme de combat, un journal qui devrait prouver leur capacité en traitant non seulement de ce qui les intéressait directement, mais des questions les plus générales et leur offrir la profession de journaliste actif. Ce congrès va bouleverser la vie de Marguerite. Elle, qui ne s'était jamais vraiment posé la question sur le statut des femmes, est révoltée par les inégalités qu'elle apprend lors des conférences. Elle s'indigne également de ces étudiants misogynes qui viennent perturber violemment les débats. Ses prises de position ne plaisent pas à son patron et amant Antoine Périvier. Marguerite n'en a que faire, elle le quitte alors qu'elle est enceinte de lui. À la naissance de son fils, il essaiera de lui enlever l'enfant, chose très aisée à l'époque. Mais grâce à l'aide juridique de son ami Georges Clémenceau, futur président du conseil, elle réussit à se défendre pour garder son fils. Elle a maintenant 32 ans et s'est décidée, elle va consacrer sa vie à la défense du droit des femmes. En 1897, forte de son expérience de journaliste, elle fonde le journal La Fronde. Le premier numéro paraît le 9 décembre 1897 et c'est un véritable succès. Elle écoulera jusqu'à 40 000 exemplaires, faisant d'elle l'une des premières patronnes de presse. Mais ce n'est pas seulement un journal pour les femmes, tous les postes sont occupés par des femmes. De la rédactrice à la secrétaire, on ne trouve pas un homme dans les bureaux de La Fronde. Et Marguerite paye tous ses employés au même salaire que les hommes. C'est un journal féministe, laïque, républicain, pacifiste, dreyfusard et littéraire, qui aborde tous les sujets, la politique, la littérature, le sport, la finance, l'économie et l'art. Chaque semaine, le journal élabore également un sujet qui ne concerne que les femmes, comme le divorce, le soin des nourrissons, l'éducation des enfants ou les droits salariaux des femmes. Même si parfois leur travail est freiné puisqu'elles n'ont pas le droit d'entrer dans certaines institutions comme l'Assemblée nationale ou la Bourse de Paris. Le journal bouleverse les codes de l'époque et évidemment, elle croule sous un flot de critiques misogynes. Le journal de droite La Petite République les appellera les chevaliers en jupon. Le journaliste Georges Duval dira d'elle « J'estime d'une impossibilité absolue d'obtenir d'un groupement de femmes de lettres l'unité dans les idées qui fait les véritables rédactions. Comment une personne qui change 12 fois par an les fleurs de son chapeau demeurerait-elle fidèle à une opinion ?» Les frondeuses ne s'offusquent pas plus que ça, continuant leur travail avec sérieux dans leur journal quotidien jusqu'en 1903, puis de façon mensuelle. Cette équipe de journalistes féminines va démontrer que les femmes peuvent écrire, mener des enquêtes, valoriser des points de vue et défendre des valeurs tout aussi bien que leurs collègues masculins. Elles permettront même quelques avancées pour les femmes telles que d'être admises à l'école des beaux-arts, d'assister aux débats de l'Assemblée nationale, de recevoir la Légion d'honneur ou encore d'accéder au barreau. En 1904, Marguerite profite du centenaire du Code civil établi par Napoléon pour dénoncer l'oubli des femmes dans celui-ci. Elle écrira dans le numéro de La Fronde du 1er novembre 1904 « Il n'est pas une femme qui ne doive maudire le Code. Il n'est pas une femme, riche ou pauvre, grande dame ou travailleuse, qui dans sa misère ou dans ses biens, dans sa personne, dans ses enfants, dans son travail ou son désœuvrement, n'ait eu ou n'aura à souffrir grâce au Code. » Mais en 1905, les ventes du journal s'effondrent. En 1907, elle organise un vote dans son journal. Souhaitez-vous le droit de vote pour les femmes, oui ou non? Et la réponse est sans appel. 100% de oui. Et dans la foulée, elle organise également une manifestation. Plus de 6000 femmes défilent dans les rues de Paris, criant des chants patriotiques et tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Les femmes veulent voter ». La manifestation fera grand bruit dans la presse, mais ne changera rien. Marguerite crée un congrès de travail féminin et tente de fonder l'Office du travail féminin avec son ami René Viviani, ministre du Travail du gouvernement Clémenceau. Mais faute de moyens financiers et la ferme opposition de la CGT, un syndicat de travailleurs de gauche, le projet ne verra jamais le jour. En 1909, à 45 ans, elle demande le droit de vote pour les femmes, mais aussi celui d'être élue. Elle fait de cet argument son principal axe de campagne lorsqu'elle se présente aux élections législatives du 24 avril 1910 dans le 9e arrondissement de Paris. Mais le préfet de la Seine rejette sa candidature. Elle dira alors « Je suis révoltée. J'appelle les femmes à boycotter le recensement avec l'argument que si nous ne comptons pas, pourquoi nous comptons ?» Lorsque la Première Guerre mondiale éclate et que les femmes sont mises à contribution pour faire fonctionner le pays en l'absence des hommes, Marguerite y voit l'occasion parfaite pour les femmes de prouver de quoi elles sont capables. Elle fera reparaître quelques numéros de son journal La Fronde pendant l'année 1914. Et même si elle est profondément pacifiste, elle incite les femmes à participer à l'effort de guerre, espérant que les droits octroyés pendant cette période pourront perdurer. Mais il n'en sera rien. En 1915, elle aide Jeanne Palier, aviatrice,
a fondé le club féminin automobile qui permet aux femmes d'aider aux services de santé en allant chercher les blessés sur le front de guerre. Ce n'est qu'en 1917 qu'elles obtiendront l'aval du gouvernement permettant à 120 ambulancières et 70 infirmières de porter secours aux soldats. Tout au long de sa vie, Marguerite collecte et conserve méticuleusement de nombreux documents relatifs au féminisme. Journaux, affiches, dessins, thèses, essais, ouvrages universitaires, films, biographies, objets et manuscrits. Au total, c'est plus de 10 000 livres et des dizaines de milliers de documents sur l'histoire du féminisme. En 1931, elle fait don de sa collection à la ville de Paris, amenant à la création du premier office de documentation féministe français, qu'elle dirigera bénévolement jusqu'à sa mort. Le but étant de mettre tous les ouvrages à disposition du public pour être consultés sur place ou être emportés à domicile, le tout gratuitement. Marguerite meurt le 16 mars 1936 à l'âge de 72 ans. Elle sera inhumée au cimetière des Patignolles à Paris. Elle qui se sera battue toute sa vie pour changer le statut des femmes et obtenir une égalité de droit avec les hommes, meurt tout juste 8 ans avant l'obtention du droit de vote pour les femmes. C'est le 6 mars 1901 que naît Germaine Marie-Joséphine Chapuis dans la ville de Marseille, au sein d'une famille de commerçants catholiques originaires d'Ardèche. Après une enfance sans histoire, elle obtient une licence de droit, puis un doctorat de droit romain, qui est considéré comme l'un des premiers systèmes juridiques de l'histoire. Elle suit une formation d'avocate et devient la première femme lauréate de la conférence de stage marseillaise. C'est en 1921 qu'elle obtient le diplôme d'avocate au barreau de Marseille. En 1929, elle cofonde le club Soroptimiste de Marseille, qui a pour but de promouvoir les droits humains et le statut de la femme. En 1937, elle épouse l'avocat Henri Poinceau, avec qui elle aura 2 enfants. Par féminisme, elle rejoint le Parti démocrate populaire et devient membre de son comité directeur. Par ailleurs, elle s'implique dans une association qui défend les enfants poursuivis en justice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle entre naturellement en résistance. Proche de Gaston Defferre, un homme politique et résistant, elle entre au mouvement de libération nationale. Elle gère son cabinet d'avocat pendant qu'il prend le maquis. Elle s'occupe également d'une caisse de résistance du Parti socialiste. Elle devient membre du comité départemental de libération et se voit nommée vice-présidente et déléguée de 4 commissions de la délégation municipale provisoire, ce qui lui vaudra d'obtenir de nombreuses décorations, dont la médaille de résistance. Cet engagement lui vaut la reconnaissance des Marseillais et elle est conseillère municipale de la ville de 1945 à 1959. Elle dirige aussi l'association régionale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence inadaptée marseillaise de 1946 à 1979. Elle est élue députée MRP, le mouvement républicain populaire, de la première circonscription des Bouches-du-Rhône de 1945 à 1955. Elle est aussi membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et elle est l'une des premières femmes députées de l'histoire française. Germaine est nommée ministre de la Santé publique et de la Population au sein du gouvernement de Robert Schuman du 24 novembre 1947 au 26 juillet 1948. C'est la première femme ministre de plein exercice en France. Il faudra attendre Simone Veil en 1974 pour réitérer l'exploit. Suite au ravage de la Seconde Guerre mondiale, elle est chargée de la reconstruction sociale du pays, ainsi que des épidémies et du ravitaillement. Elle aimerait faire du ministère de la Santé une grande institution, mais se confronte à un manque de moyens financiers, au trop gros nombre de délégations et à un manque de soutien politique. Elle dépose 10 projets de loi, parmi lesquels la vaccination obligatoire, le statut du personnel infirmier ou la protection de l'enfance. Elle combat les ravages de l'alcoolisme, elle défend les constructions d'hôpitaux et s'attaque à la protection des handicapés et des adolescents. Le décret Poinceau-Chapuis du 22 mai 1948 octroie des subventions aux associations pour l'éducation des familles n'ayant pas les moyens d'assurer cette obligation et en particulier pour les écoles religieuses des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais dont les mines et les écoles ont été nationalisées à la Libération. Son décret sera violemment critiqué par le Parti socialiste, ce qui lui vaut d'être remplacé le 26 juillet 1948 par Pierre Schneiter. Libérée de ses obligations gouvernementales, elle reprend son activité parlementaire et se fait remarquer par le nombre de textes qu'elle dépose dans le domaine de la santé, du social et des droits qui en découlent. Elle est élue 2 fois vice-présidente de l'Assemblée nationale en 1949 et 1950 et 2 fois à la Commission des affaires économiques ainsi qu'à la Commission de la famille, de la population et de la santé publique. Aux élections législatives de 1956, elle n'est pas réélue. Elle paye la baisse de popularité du mouvement républicain populaire et la montée du SFIO,
section française de l'Internationale ouvrière, ainsi que du Poujadisme, un mouvement politique de droite. Elle continue sa carrière dans le domaine social et en tant qu'avocate. Elle reste conseillère municipale de Marseille jusqu'en 1959 et elle adhère à l'Organisation des femmes des professions libérales et commerciales, à l'Organisation des femmes juristes et du Haut Comité d'information sur l'alcoolisme. Enfin, en 1973, elle devient présidente du Centre technique national de l'enfance inadaptée. Elle meurt le 20 février 1983 à Marseille. Par son implication en politique ainsi que les divers projets qu'elle a mis en œuvre et qui perdurent encore aujourd'hui, elle est un personnage emblématique français et un symbole de l'évolution du statut de la femme par son entrée au gouvernement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire de ces femmes qui ont su innover dans leur domaine et par là même faire évoluer la mentalité sur les femmes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série sur les femmes pionnières.